On vous habitue petit à petit à perdre vos libertés et c'est vous-même qui êtes utilisé pour les perdre. Hier, en revenant de Genève, je me suis rendu compte que la Haute-Savoie n'était pas épargnée par les blocages. Les paysans ont bloqué à la 41, créant des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Alors ceux qui sont pour ces blocages, je ne pense pas que ce soit ceux qui travaillent. Parce que les gens qui étaient dans les voitures, je ne pense pas qu'ils étaient heureux d'être bloqués et de mettre des heures à rentrer chez eux. Je vous rappelle juste un scénario qui se répète depuis maintenant 4 ans. 2020-2021, une grève générale est organisée par le président de la République. On appelle ça un blocage total du pays, confinement et couvre-feu. 2020 et 2021. 2022, blocage des raffineries. Les gens étaient obligés de faire les kilomètres de queue jusqu'à des 2 h du matin aux pompes à essence. Plus personne n'avait du carburant. Et dans la même foulée, en octobre 2022, dans la même foulée, le Parlement s'augmente de 250 euros, les députés et sénateurs. 2023, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Début 2024, aujourd'hui, on utilise les paysans, la colère des paysans, pour reproduire le même scénario et avec aussi une augmentation des députés de 300 balles, cette fois-ci au lieu de 250 pour 2022. Un scénario qui se répète sans arrêt et j'ai l'impression qu'en fait vous aimez vous faire enfumer, vous aimez vous faire enfiler comme des perles et vous y prenez goût. Il n'y a plus aucune réaction de votre part et vous y voyez même pas la manipulation. Alors il y en a qui disent ouais mais c'est pas dit dans les médias donc ça gêne. Rappelez-vous surtout que Internet nous a été offert par l'élite. C'était un ancien outil de l'armée qui était devenu obsolète et ils se sont dit on va le donner à la population. C'est quelque chose de très utile à partir du moment où on s'en sert à bon escient. Ceci dit, c'est créer les réseaux sociaux qui appartiennent, je vous le rappelle, à l'élite mondiale, quels que soient les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, VK, ils appartiennent tous à des milliardaires. Ce sont des outils de manipulation de masse. Tout ce qui est gênant est automatiquement censuré par les algorithmes, par l'intelligence artificielle qui gère les algorithmes. Si les hystéries collectives que vous partagez à tout va, alors vous les en éveillez parce que quelque part on vous invite à partager les algorithmes, vous dites c'est ça que tu dois partager, tout le monde le partage, donc fais-le toi aussi. C'est pas de l'information, c'est de la manipulation. Alors si tu te dis éveillé, ben, t'as tout faux. T'as complètement tout faux parce que tu te fais manipuler depuis le début. Tout ce qui est partagé des millions de fois, ces hystéries collectives, ce que j'appelle des hystéries collectives parce que ça en est, à savoir la sexualité des Macron. Je ne suis même pas sûr que ce soit un vrai couple, tellement c'est énorme la connerie. 30 ans de différence, une sexualité atypique, etc., etc. C'est tellement énorme que ça ne doit pas être vrai. Ça a commencé par la sexualité de Macron, ensuite les insultes complètement infantiles, style caca boudin, oh qu'il est pas beau, il est con, etc., etc. Le président de la République n'a absolument aucun pouvoir, c'est déjà défini dans la Constitution, il n'a que des devoirs envers sa population. Son premier devoir est de veiller par son arbitrage à ce que la Constitution soit respectée. Mais il n'a aucun pouvoir de décision, ce n'est pas lui qui décide. La Constitution le dit bien, la République est définie comme la gouvernance du peuple par le peuple pour le peuple. Ceux qui décident, ce sont ceux qui représentent le peuple au Parlement, les députés. Les députés qui ne font pas non plus leur travail et qui vous font des pichenettes, en vous disant, ben voilà, vous souffrez, nous on s'en bat les couilles, on augmente. Tout ça est manipulation, juste pour alimenter vos conversations de comptoir et de salon de coiffure. Mais ce n'est pas une information qu'il faut suivre, c'est une information qui tourne sur les réseaux sociaux. Et si tu avais le moindre intelligence, plutôt que de te préoccuper ou de t'intéresser à ce qu'on veut bien te montrer, essaie de regarder ce qui se cache derrière. The Economist, magazine des Rothschild, annonce depuis une éternité ce qu'il nous réserve pour l'année qui suit. The Economist 2024 est sorti en octobre, il me semble, en octobre 2023. Ils annoncent une crise économique énorme. On parle de deuxième guerre froide. On va vivre le chaos. Et c'est exactement ce que veut l'élite. Vous rendre accro
vous rendent totalement dépendant des gouvernants qui vous imposent des problèmes et vous sortent après la solution. C'est ce qui s'est passé pendant la Covid, c'est ce qui s'est passé pendant. Et vous vous enfermez petit à petit dans le piège et il n'y aura pas de retour. Je vous invite à une intelligence. La première des choses, c'est que si on voulait s'en prendre réellement aux responsables, pour un peu qu'on croyait en la politique qui n'existe plus, puisque les élus n'ont plus aucun pouvoir, aujourd'hui et depuis une éternité, depuis une cinquantaine d'années. D'ailleurs, Mitterrand le disait à sa femme, je suis président de la République, mais je n'ai pas de pouvoir, c'est le capitalisme qui a le pouvoir. À l'époque, il appelait ça capitalisme. Aujourd'hui, on appelle ça le marché, tout simplement parce que l'ensemble de nos besoins vitaux sont le monopole de deux groupes financiers, de deux groupes de gestion qui s'appellent BlackRock et Vanguard et qui ont un total contrôle sur la planète. Ce sont eux aujourd'hui qui décident de notre vie et de notre mort. Je vous parle de. Ils ont les eaux par les multinationales, les groupes comme Danone et Nestlé qui appartiennent toutes les eaux en bouteille, mais ils ont aussi l'alimentation par Danone, Nestlé, Monsanto, Coca-Cola, Kraft, etc., etc. Ils sont premier actionnaire de toutes ces boîtes. L'énergie, Total, Enedis, etc., etc., leur appartiennent. Ils sont les premiers actionnaires aussi. Le premier actionnaire dans une société, c'est celui qui a le pouvoir de décision. Et vous vous plaisez à manifester contre une marionnette qui est insignifiante, qui n'a aucun intérêt, pas plus intérêt que l'Europe d'ailleurs, parce que tout ça c'est des outils, ce sont des marionnettes qui sont là juste pour vous agacer, vous mettre en colère, mais qui n'ont absolument aucun pouvoir et aucun pouvoir de décision. Si on devait s'en prendre aux premiers responsables en France de ce désordre, eh bien, on s'en prendrait aux députés. Alors, plutôt que d'aller emmerder la population, à la bloquer, à créer des embouteillages, à empêcher de vivre aux semblables, à les prendre en otage, allez voir les députés, allez foutre du lisier dans leur villa, allez les empêcher de vivre dans leur bureau, mais n'emmerdez pas la population. Ce qui va se créer, c'est des divisions à tout va. C'est tout ce que vous allez gagner, et c'est exactement ce qu'ils veulent, diviser pour mieux régner. Alors le scénario, il va se répéter encore une fois, hein, comme ça s'est fait pendant le confinement 2020-2021, et puis 2022 avec les raffineries. Maintenant, c'est la colère des paysans. Vous vous passionnez tous pour ça ne sert à rien. Et puis, ça va bloquer la France pendant un petit moment, histoire d'emmerder tout le monde, de vous mettre sous pression. Et puis, au bout d'un moment, on va calmer les choses. Ils vont leur donner un petit quelque chose et ils vont rentrer chez eux tranquillement. Ça ne va pas régler le problème. Ça va juste les endormir un petit peu, mais pendant ce temps, ils auront bien emmerdé la population. Et on se sert d'eux. On se sert d'eux. Les responsables, ce ne sont pas les gens qui sont sur les autoroutes ou qui bloquent les nationales. Les responsables, c'est les coordinateurs, ceux qui vous invitent à manifester, à vous dire tu vas aller là, à cet endroit, etc., etc. Parce que c'est pas vous qui décidez, que ce soit paysans, manifestants, gilets jaunes, etc. C'est pas vous qui décidez. Il y a des gens qui vous manipulent. Pour vous dire à quel point c'est une manipulation, le gouvernement, les ministres se sont prononcés, les Darmanin, les Attal, etc., en disant on ne va pas répondre à la souffrance par la violence. Ils ne s'en prennent pas aux bâtiments publics. Ils ne s'en prennent pas je vous parle des paysans, ils ne s'en prennent pas aux forces de l'ordre. Ils souffrent et ils expriment leur souffrance. Il n'y a pas de détérioration de bâtiments publics, mais le lisier sur les façades des préfectures, le lisier, c'est quelque chose qui est hyper pénétrant. Pour le nettoyer, ça va être une éternité, ça va être un nettoyage de fond. Et peut-être une rénovation, peinture, crépi, etc., etc. Ça va coûter cher. Il n'y a pas de détérioration de biens privés. Quand on les voit labourer le parking, le bitume d'un parking, d'un Leclerc, ou détruire
la toiture d'un Leclerc qui s'effondre, c'est pas de la détérioration. Ils vous utilisent, ils s'amusent avec vous, ils vous prennent pour des cons. Ils ont tabassé les gilets jaunes, mais là, ils veulent pas répondre à la souffrance parce que les gilets jaunes ne souffraient pas. Ils veulent pas répondre à la souffrance par de la violence. Ils vous enfument. En tout cas, il y a un truc qui est certain, c'est que si on écoute les ministres qui s'expriment en disant on va pas répondre à la souffrance par de la violence. Quelque part, ça fait jurisprudence. Et dans ces cas-là, ce qui est bon pour certains citoyens doit l'être autant pour les autres. Dans ces cas-là, je vous invite à aller chier dans des sacs en plastique et à les balancer sur les murs des préfectures. À faire n'importe quoi, continuer à faire n'importe quoi, ça ne fera pas avancer. Je vous invite à comprendre les choses. Aujourd'hui, nous sommes face à un problème mondial. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'imprimer et qui sont encore perchés sur les années 60. Bienvenue à toi, Hibernatus, au 21e siècle. Bienvenue en 2024. Bienvenue dans le nouvel ordre mondial. Je t'invite, et si tu en doutes encore, à taper simplement Sarkozy, nouvel ordre mondial, Élysée.fr. Tu vas tomber sur une page de l'Élysée, de la présidence de la République, où on parle du nouvel ordre mondial. Sarkozy a écrit toute une page sur le site de l'Élysée. Je t'invite à taper Jacques Attali, nouvel ordre mondial. Je t'invite à taper Macron, nouvel ordre mondial, et tu verras une vidéo où il s'exprime devant les chaînes du monde entier. C'était en 2018 au siège de l'ONU à Washington, où il disait devant Trump, avec la population américaine et Trump, nous allons créer un ordre mondial du 21e siècle. Ouvrez les yeux, sortez la tête de la terre. Il n'est plus question aujourd'hui de faire des manifestations telles on pouvait les faire en mai 68, ou encore moins une révolution, ça serait une débilité. Il la veut, la révolution, il la provoque. Et il faut vraiment être endormi pour ne pas s'en rendre compte. Le Parlement qui s'augmente de 300 balles à chaque fois que vous êtes là à gronder dans les rues, est-ce que c'est pas de la provocation? Est-ce que c'est pas une incitation à la colère et à la violence? Cette révolution, ils la veulent. Pourquoi? Jacques Attali l'avait annoncé en 2017. Il avait dit avant 2022, il y aura une guerre civile en France. Jacques Attali ne s'est jamais trompé dans tout ce qu'il a dit. Dans les années 70, il parlait d'un passeport santé qui nous permettrait de voyager, qui serait grand comme une carte de crédit. Ce passeport santé a été voté l'année dernière au Parlement européen. On va droit dans le mur parce qu'il profite de votre ignorance. C'est quand qu'on va se réveiller, c'est quand qu'on va faire les choses dans l'ordre. Je vous rappelle juste que il y a des textes officiels incontestables qui sont le sommet de la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes est officielle. Elle vient des sites gouvernementaux et elle représente notre démocratie. Feu notre démocratie, parce que vous le voulez bien. Mais ces textes officiels, ils sont incontestables. Il y a la Constitution, il y en a qui veulent la réécrire, mais elle est pour le moment très bien écrite. Elle nous donne le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. La justice doit être rendue au nom du peuple. Ce sont les textes officiels qui le disent. Et puis, il y a les droits de l'homme, la garantie de votre liberté, de votre souveraineté, et qui vous donne le droit de lutter contre l'oppression. Mais lutter, ça ne veut pas forcément dire se battre. J'entends les paysans qui disent « Moi, je suis prêt à prendre une balle, mais on ne te demande pas tant. » Et ça ne réglera pas le problème que tu te prennes une balle. Et si on devenait intelligent? Et si on devenait tous unis à se dire « Mais attends, putain, c'est nous qui avons le pouvoir. » On se fait contrôler par une bande de marionnettes qui nous prennent pour des cons et qui répondent aux exigences d'une élite mondiale. Mais ils sont rien. Ils sont rien sans nous. Qui c'est les ingénieurs? Qui c'est les militaires? Qui c'est les forces de l'ordre? Qui c'est les ouvriers? Qui c'est ceux qui construisent? C'est nous. C'est nous. Et nous avons le pouvoir. Les textes officiels le disent. Arrêtez de vous comporter comme des esclaves assistés, complètement dépendants de ce système. Il est grand temps, qu'on impose notre pouvoir, le pouvoir qui est écrit dans les textes officiels et qui est incontestable. Il est grand temps qu'on crée un tribunal du peuple et qu'on les condamne au nom du peuple. Il faut qu'on soit des millions dans une manifestation statique et complètement sage à voter à main levée ou à l'applaudimètre. Qui on voudra condamner pour crimes contre l'humanité, et nous les connaissons, et les crimes, et les,
Et les acteurs de ce désordre mondial, il est grand temps qu'on fasse quelque chose, mais quelque chose de cohérent. Arrêter de les servir, ces manifestations, ces blocages, le fait de prendre la population en otage, vos semblables en otage, pour obtenir une miette de pain, c'est créer une pression terrible envers la population qui est déjà sous pression, qui souffre déjà. Alors vous exprimez votre colère, vous exprimez votre souffrance, mais est-ce qu'il est bon de faire souffrir les autres pour satisfaire vos besoins. Est-ce qu'on doit rester plonger notre propre turpitude dans notre bassesse, dans notre ignorance et continuer à les servir, à continuer à servir leur plan? Parce que c'est ni l'élite mondiale qui est responsable, ni la marionnette de l'Élysée, c'est nous. Ils nous utilisent les uns contre les autres et ils nous utilisent pour aller dans leur sens. Et cette manifestation qui est organisée par les paysans en est encore la preuve, je vous le rappelle. Ça fait 3 fois sur 4 ans que ça se reproduit. Les confinements, grève générale organisée par le président de la République. 2022, les raffineries qui ont bloqué la France et qui ont bien emmerdé le peuple avec les parlementaires qui s'augmentent de 250 euros. 2024, on reproduit la même chose. Les paysans expriment leur colère, prennent en otage la population encore une fois, et les parlementaires s'augmentent de 300 balles. Je vous invite à réfléchir, à arrêter de vous faire manipuler. Il est grand temps qu'on reprenne notre pouvoir. Et il ne s'agit pas de se battre, il s'agit simplement de l'imposer. Je vous invite à la réflexion, je vous invite à réfléchir. Et pour une fois, je vous demande de partager cette vidéo. Je vous salue. Passez un bon week-end. Prenez soin de vous.